émission hebdomadaire de Pick Hunter Show, week 9. Donc, hey, ça va vite encore. Mais là, je me répète à chaque fois, on va le savoir que ça va vite, là. Mais, hey, déjà la mi-saison, les gars, c'est super, ça, et mesdames. Alors, une bonne semaine pour le moins la semaine passée. Bengals for the win, ça, c'était mon... ça, c'était quand même un bon choix pour moi, là. J'ai adoré ça, là. Eric, bon, tu as quelque chose à dire là-dessus. Ben, moi, c'est sûr que, regarde, je peux pas passer ça sous le silence, là. Les cheap shots, encore une fois, sur le Le'Veon Bell. Ça fait partie de la game, là. Deux fois deux matchs. C'est pas un hasard, là. C'est des Christy cheap. C'est la seule façon qu'ils ont trouvé de gagner, c'est de blesser les joueurs vedettes. Moi, je trouve ça pathétique, mais bon. Non, c'est plus que Big Ben s'est tiré dans le pied. Il était merdique, là, ton Big Ben. Je te l'avais dit qu'il serait rouillé, là. Il a été ordinaire. Ça, je suis d'accord. Sauf que la blessure à Le'Veon Bell, là, j'ai checké à la reprise, là, pis c'est complètement dégueulasse, là. Wow, ça arrive vite, le football. C'est comme n'importe quoi, on pourrait dire ça sur n'importe quelle blessure, tu sais, regarde, ça arrive vite. Non, mais des blessures, ça arrive que c'est vraiment, c'est comme accidentel, c'est un incident, pis ça. Bon, bon, ça, on pourrait jamais le savoir, buddy, là. Ça, honnêtement, je pense que c'est des défaites là-dessus. Les Steelers, de toute façon, cette année, c'est pas leur année. C'est sûr, certains, les Bengals sont en mission. Je le dis depuis le début. C'est vraiment, même moi qui est un fan des Ravens, là, tu sais, regarde, les Bengals, faut leur donner crédit. Ça fait tellement longtemps qu'ils se complotent, cette équipe-là, là. Hier, je regardais ça durant la game des Browns de Cleveland. Non, mais c'est les Browns de Cleveland. Non, mais je veux dire que c'est eux autres qui ont le plus de joueurs depuis le début. Ils ont jamais fait des gros échanges. Tous des joueurs qui ont drafté depuis le début. Il y a pas grand nom, là, qui sont arrivés à l'improviste. C'est des gars qui jouent dans le même système de jeu depuis des années. À un moment donné, pour ces équipes-là, ça gagne, là, tu sais. C'est sûr et certain, parce que sinon, c'est les coachs qui vont gagner en saison, on l'a vu, là. Ça veut rien dire. Non, c'est sûr. T'as pas une saison parfaite, pis t'arrives en playoff, pis tu te fais avoir. Va faire qu'ils prouvent. Ils ont jamais gagné un match en playoff depuis avec Andy Dalton. Ça, c'est sûr. Va faire qu'ils prouvent, ça, c'est sûr. Le temps qu'ils ont pas gagné un match en playoff, selon moi, là, c'est, ils ont rien prouvé. Mais cette année, ils restent d'être durs à déclasser, là. Je les vois encore parfaits. Les autres, les Pats, là. Justement, cette semaine, j'ai un petit concours pour vous autres. On va y aller cette semaine, mon Péric, on a pensé à ça. En fin de compte, il reste 4 équipes en ce moment qui sont qui ont aucune défaite. Là, on va dire que les Bengals ont gagné hier, là, mais il en reste 3. À partir de la semaine prochaine, on va vous mettre sur notre page Facebook quelle équipe va avoir sa première victoire exacte. Je vais vous me donner l'équipe la semaine. La première défaite, désolé, merci Eric. Et puis là-dessus, bon, ben on va faire un petit tirage avec les gens qui l'ont bien réussi. Vous allez voir. Continuez à suivre le Money Hunter puis le Pick Hunter Show. Puis vous allez voir, on va gâter là-dessus. Fait que Eric va vous tout montrer un petit tableau sur notre page. Puis vous allez nous dire entre les Panthers. Attendez au moins la semaine prochaine, parce que ça se peut qu'il y en a qui se passe pour être équivalent avec tout le monde, mais bon, les Panthers, les Pats, les Broncos. Ou les Bengals, c'est qui va avoir leur première défaite en fin de compte. Fait qu'on veut faire un petit quiz, là, puis un petit test, puis regarde, on va avoir une petite surprise là-dedans, là, par la suite, pour celui qui va remporter ça. Donc, Eric, on va y aller avec nos choix cette semaine, encore une fois. Bon, on va débuter avec le seul choix qu'on a en commun cette semaine, qu'on est d'accord les deux. On va se le dire, les Broncos, ils vont être encore undefeated cette semaine, là, que, regarde, je vois pas comment ils vont perdre ça. Les Colts, ils vont tellement pas bien. Les Colts sont en plus, je vais dire une stat, ça, qui est assez épeurante. Ils sont 0-5 contre les équipes non-AFC. Ça veut dire que, ils gagnent pas quand ils sont pas dans leur division. Non, non. C'est pas compliqué. Cette année, ça là, Andrew Luck, on ne reconnaît pas. Il est vraiment, là, c'est un turnover machine. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. T.Y. Hilton a des bonnes chances qu'il joue même pas en plus. Il a même pas pratiqué de la semaine. Donc, c'est vraiment pas de bonne augure pour Denver, à propos de Denver. Pour les Colts. Moi, là, je dirais, le 5 points, là, c'est easy. Même s'ils font rarement le spread Denver, là, là-dessus, je pense que les manques d'effectifs, là, pour les Colts. Les Colts, ça va faire. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dedans. Par contre, ce que je trouve pas représentatif, c'est qu'Andrew Luck a plus de passes de toucher que Peyton Manning. Puis Peyton Manning a une fiche parfaite avec son équipe. Fait que qu'est-ce qu'on dit la semaine passée que c'est vraiment la défensive qui fait gagner cette équipe-là? C'est vraiment une défensive. C'est ça. Fait que Denver, là, ils ont vraiment une défensive liée. Ouais. C'est la numéro 1 dans l'américaine, je vous le dis tout de suite pour ceux qui ne le savent pas. Honnêtement, peut-être dans la NFL aussi. Là, il faut dire que les Panthers ou dans la nationale, ça fait peur. Mais bon, les Broncos, là, c'est vraiment là, une équipe qui ne suit pas juste sur Peyton Manning comme les dernières années. Fait que c'est pour ça qu'on leur donne une chance de s'en aller un petit peu loin. Peyton Manning, en ce moment, ses fiches, là, c'est 7 touchdowns pour 11 revirements, 11 interceptions. Hey, regarde. Mais il y a eu un mauvais match, il faut te dire, Peyton, qui a donné beaucoup d'interceptions. Ça paraît là-dedans, là, mais tu sais, il n'est plus que ce qu'il était. On se répète depuis longtemps. Tu sais, des gars comme Ronnie Hillman, ça run le clock, des choses comme ça. Demaryius Thomas, c'est capable de faire avancer les chaînes. Mais vraiment, qu'est-ce qui tient cette équipe-là, là? C'est vraiment des DeMarcus Ware, des Elvis de Murphy, pas des Elvis. Mais moi, selon moi, ils ont le meilleur secondary de la ligue, là. Et de loin, là. Il y a pas grand-chose qui passe là. Chris Harris Jr., là. On l'a vu contre les Packers, tu sais. Aaron Rodgers, on l'a dit, c'est un gunslinger, puis il a eu de la merde. Il a fait mal pareil, il a même pas eu 100 verges.
Si on vous aurait dit, là, avant dimanche, qu'Aaron Rodgers faisait pas sans veine, vous auriez traité d'idiot, de pigeon, de toutes les noms. Je l'ai dans mon pot, puis ça m'a paru, là, c'est vraiment mon QB qui me fait faire des points, puis celui-là, ça me paraît. Il a été vraiment, là, puis c'est rare qu'on va utiliser ça, là, mais il a été horrible. Horrible. C'est pour ça que, garde. Favori par 5 points, c'est contre les Colts qui vont nulle part. Moi, je pense que c'est notre choix, c'est notre gold pick à nous deux, notamment. Allez-y avec ça, c'est sûr que ça va passer. Oui, oui, effectivement. Ça, c'est sûr. J'ai un autre super bon pick pour vous autres, mais celle-là, on n'est pas d'accord, par exemple. C'est rare qu'on est d'accord. De toute façon, ceux qui nous connaissent le savent. Oui, tout à fait. Souvent, on partage pas la même opinion sur des matchs, mais regarde. Moi, cette semaine, mon gold pick, c'est les Eagles, parce que les Eagles, ils ont eu un bye week. Quand ils reviennent d'un bye week, ils gagnent le 3/4 du temps. Puis c'est contre une équipe vraiment amochée, Dallas. Ils ont des très bonnes stats. Ça. 4 des derniers 5 matchs, ils ont été les gagnants à Dallas. Fait que, on l'a souvent dit là, dans cette division-là, c'est les équipes sur la route qui remportent. Ah ouais, ça c'est 2.5, que... c'est même pas un field goal, c'est même pas de push à 2.5. Une merveilleuse cote, allez-y avec ça. Eagles, là, ils vont bounce back après la défaite là, contre les Panthers. Là. Ils ont encore un goût amer dans la bouche, ouais, je vous le dis, là, ils vont sortir. Ils ont fait fort. Mal pareil. Ils ont fait mal pareil, c'est ça c'est sûr et certain. Puis ils vont sortir fort, je vous le dis, là. Chip Kelly, il perdra pas de même en venant d'un bye week. Tout le contraire pour le Money Hunter ici, là. Tout à fait le contraire. Moi, honnêtement, là, j'y vais avec les Cowboys de Dallas. Honnêtement, ils sont à la maison, puis ils ont tenu tête aux Seahawks de Seattle. La semaine passée, qu'est-ce qui a fait le plus mal? C'est cette équipe-là. Les Seahawks, tout le monde les voyait dans leur soupe. Tout le monde a dit, ils vont faire leur spread TMZ. Les Cowboys de Dallas, ils ont mené la moitié de la game, si c'est pas le 3/4. Ils ont perdu à la fin, puis ils ont perdu par un point, les Cowboys de Dallas. Les Cowboys de Dallas, on les néglige un peu. Je pense qu'on crache trop sur cette équipe-là. C'est une équipe, là, qui est en train de se, tu sais, travailler. Fait, hey, ils ont perdu leur meilleur élément, c'est Tony Romo. Puis quand même, ils se compétitionnent avec une des meilleures équipes dans la Ligue nationale. 4 défaites de suite, j'avais pas ouais, mais par, ils se tiennent tout le temps dedans. Ils se tiennent tout le temps, Eric, dedans. Regarde les anciens matchs, regarde, tu l'as vu, là. Ouais, fait, honnêtement, ils tiennent les matchs, mais ils perdent tout le temps. Ouais, mais lui, moi, je suis bien content. Je vais prendre les négligés là-dedans à 2.5. Ils jouent à la maison. Honnêtement, on va se le dire. Là. Autant que j'aime les Seahawks, ils ont pas une attaque aussi explosive que les Eagles. Les Eagles vont nulle part, Eric. Ça marche pas comme ça a déjà marché. Sam Bradford, encore une fois, c'est un gars qui a plus de revirements que de passes de toucher. Il y en a 9 passes de toucher pour 10 interceptions. Ouais, c'est un gars qui a les revirements, les interceptions. Ouais, mais c'est ça qui peut coûter cher. Il devrait à deux catégories des interceptions. Puis je suis sûr que Benzon va d'accord avec moi. Quand il est tip par un gars, là, c'est pas la faute du quarterback. Là. Si le wide receiver il la touche, là. Rendu là, c'est plus son problème. Ouais, faut faire attention. Par contre, moi, combien d'interceptions cette année? La catégorie que tu veux faire, là, c'est plus une catégorie qui va donner des points à l'adversité, à l'équipe adverse. On va dire qu'il y a un turnover, puis là, bon, l'autre équipe va faire un touchdown, ça fait mal. On va dire qu'il y a une interception, mais après 4 essais, il y a un punt. Regarde, ça, cette interception-là, on l'oublie. C'est ça que je veux dire. Mais les Eagles, ils créent quand même des revirements, puis ça donne des points. Ils ont ces revirements, ça, je te dis. En tout cas, moi, je pense que c'est un rivalry, c'est un match de division. En plus de ça, c'est prime time. Moi, les Eagles m'ont jamais vraiment impressionné prime time. On l'a vu contre les Panthers. Honnêtement, c'est une équipe qui a beaucoup trop de pression. Chip Kelly a trop fait des gros moves. On dirait que son équipe est pas soudée. Ben, c'est parce qu'ils ont pas encore la chimie là, avec tous les joueurs différents. Là. Moi, je pense que les Cowboys, ils savent. Le bye week, je vous le dis, va faire du bien pour le momentum et pour l'équipe. Non. Non, moi, c'est pas vous pouvez pas écouter ça parce que c'est un hater des Eagles. Pas du tout, les Eagles, même s'ils sont là pour faire de l'argent, je vais les prendre. La seule affaire, c'est qu'ici, à 2.5. Cette année encore, puis il était favori. Ouais, mais je disais, t'es en cachette dans mes billets. Non, mais façon de parler, regardez, les Cowboys sont dans là, ici à la maison, là, tu sais, c'est une équipe qui va nulle part, on s'en fout, parce que les autres, ils savent très bien qu'ils peuvent pas gagner vraiment cette division-là, sans Tony Romo. Fait que moi, je pense qu'ils ont que tu vois, pour des gars comme Matt Cassel, quand ils savent que c'est peut-être la dernière game qu'ils vont lancer le ballon, inquiète-toi pas qu'ils vont le lancer en tabarnouche. Fait que c'est négligé par Darren McFadden est très surprenant à date cette année, honnêtement. Là, moi, là, quasiment 400 verges. Ils vont faire une prédiction, là, ils vont se blesser durant le match, j'avoue. Non, là, à date, pour l'instant, ça va bien, lui. Parce qu'il en donnait beaucoup avec les Raiders d'Oakland. Il n'a jamais joué une saison complète. Ouais, parce que avec les Raiders d'Oakland, c'était vraiment le pivot, il donnait tout. Fait que là, un peu, le temps est partagé. En plus, on a vu Des Bryant est revenu, ça change toute la donne. Beasley, il est là. Regarde, honnêtement, ici, ça va être un très très bon match dimanche soir. Regardez ça. Négligé par 2.5, c'est mon pic. Et puis, je suis même prêt à mettre un $20 là-dessus encore. C'est clair. La semaine passée, mais d'un coup, les amis. Oh, ouais. Ok, Eric, on va y passer à ton choix suivant. Moi, cette semaine, pour ce choix-là, je les aime bien, cette équipe-là. On les a pas pris souvent. Puis, honnêtement, ils passent sous le radar. Minnesota. Mm. Les Vikings. On n'en parle pas beaucoup. C'est une équipe. T'sais, ordinaire, on va se le dire. Ils ont pas des gros, à part Adrian Peterson, mais ils ont pas des grosses vedettes là.
Puis Christy, ils ont une belle fêche, là, si je me trompe pas, ils sont 5-2. Ils se défendent très très bien, ces gars. 5-2 dans la division là qu'ils sont, là, c'est vraiment pas méchant. Ouais, encore une fois, c'est un match de rivalité. Ils jouent. En plus, ils jouent à la maison cette semaine. Ouais. Ils ont 6 victoires consécutives à la maison. On n'en parle pas, là, mais c'est quelque chose, une saison 6 de suite à la maison là, pour une équipe là. C'est pas médiocre, j'irais pas jusqu'à dire médiocre, mais c'est ordinaire, là, tu sais. Le wide receiver core, il est pas impressionnant. La défense est so-so, mais ils se tiennent les matchs, ils gagnent les matchs. Moi, qu'est-ce qui me fait peur dans ce match-là, c'est Todd Gurley. Tabarnak, il est incroyable, ce gars-là. Juste à lui-même, là, en passant, j'ai dit c'est un match de la division, c'est pas un match de division, là, excusez-moi, je me suis trompé, les Rams jouent dans l'Ouest, puis les autres jouent dans le Nord, mais honnêtement, Todd Gurley, là, ça fait 4 semaines de suite que je le prends, là, sans verge over et plus, puis il me fait rapporter tout le temps, c'est une machine, ce gars-là. Oh, ouais. Ça va être une espèce de bon. Moi, en tout cas, regardez les deux QB là. C'est pour ça aussi que c'est juste 2 points spread là. C'est pour ça que c'est pas mon lock of the week, je vous dis. C'est comme mon coup de cœur la semaine, celle-là. Bon, ouais, c'est pas méchant. Je dirais pas que ça va être un blowout loin de là, mais je pense que les Vikings sont capables de gagner ça d'un field goal là, chez eux. Là. Avec 1.5, là, ça c'est mon petit coup de cœur de la semaine. C'est deux équipes sur. Justement, on parle des running backs. C'est deux équipes que sur le rushing game là, sont dans le top 5 de la NFL. Oh, ouais. Les Rams de Saint-Louis sont top 3, puis les Vikings sont top 5. Fait que ça va être vraiment un jeu au sol. Ouais. L'under n'est pas à négliger là-dedans non plus. Eric. Non, c'est sûr que ça peut être un bon pick. Bon, ben moi, mon choix, là, cette semaine, mon troisième en fin de compte, ben, c'est les Pats de la Nouvelle-Angleterre. J'y déteste, mais Colin, qui nous font faire de l'argent, non. C'est incroyable. Cette équipe-là, là, tout le monde les déteste, mais quand tu y penses 2 minutes, t'es un peu plus logique, tu te dis, bah, ben, Chris, tu peux les prendre, c'est sûr qu'ils font faire de l'argent. Ils défoncent les spreads, ils font quasiment tout, les spreads. Ils citent son favori par 14 points, gars. Go for it, là. Ils sont 7-0. Les Redskins, là, oh oui, tu vas me dire, ils reviennent un bye week. Kirk Cousins doit avoir pété sa bulle, là, quatre fois. Il paraît même qu'ils ont fait des t-shirts de son comeback. Tu sais, le gars, là, c'est son seul. Ouais, c'est un one and seul. Moment, là, c'est ça, c'est un hit wonder. Un peu comme dans les années 80, là, quand, je sais pas trop qui nommer, il y en avait tellement des one and wonder dans les années 80. C'est un peu son moment. Mais là, il va voir que la ballonne est, ouais, c'est, faut dire que c'est un peu spécial de dire c'est ça. C'est comme la ballonne va dégonfler du football. C'est là, ça. T'sais. Mais là, je m'en ai dit aussi, la ballonne est dégonflée avec les Pats, qu'est-ce qui est arrivé l'année passée. Mais bon, on fait des. Facile, on en met un peu, là, mais garde, il va voir que, tu sais, garde, ils s'en vont affronter vraiment, tant qu'à moi, la meilleure équipe de la Ligue nationale de football. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est l'équipe la plus complète. C'est incroyable. Ils sont forts, les Cheatriots, mon gars, là. Garde, pis, on s'entend, les gars, ils peuvent pas cheater tout le temps non plus, là, tu sais. Il y a des games qui est quand même, c'est sûr qu'ils ont fait des affaires, mais garde, à un moment donné, gars, faut que tu laisses ça en arrière puis tu continues, là. Hey, Tom Brady, là, c'est 20 passes de touchdown pour une passe d'interception. Oui, c'est incroyable, Brady, là. C'est incroyable, là. Moi, je les aime pas, mais je suis conscient que c'est une très, très bonne équipe. J'en reviens encore. C'est des gars, c'est comme Deion Lewis, là, tu sais. Des gars comme Deion Lewis, là, moi, j'ai juste les statistiques pour son rushing game. Mais Krim, c'est un gars qui attrape la balle, tu sais, qui est capable de courir, man. Le Gronk, man. Edelman. Regardez. Il vient des goals aussi, hein. Mais c'est un gars qui savait, justement, tu vois, c'est un tout petit, il est compact. Bill Belichick aime ça, ce genre de joueur-là. Puis. Donc à ça, les Redskins, mais encore une fois, tu sais, oui, c'est vrai qu'ils se battent pour leur survie, non, parce que dans la division, tout le monde est là. Les Redskins, c'est la route, là. Ouais, c'est ça. Hey, favori par 14 points, go for it. Pour ça, je prends une petite glue, là, de monter du plateau. C'est pas inquiétant, là, tu sais. Tu peux bien te prendre ta petite camomille pis te recalmer après ça, parce que... Ah ouais, bon, Eric, vas-y avec ton autre choix, s'il te plaît. Ben, moi, je vais aller avec une équipe, tu sais, on en parlait les dernières semaines qui font pas le spread. Les Falcons. Ceux-là, là. C'est une équipe un peu poison que j'appelle parce qu'ils ont une belle fiche, mais ils font pas souvent le spread. Mais cette semaine, là, ils jouent contre les Niners. Tu sais, on en parle, on les bâche souvent les Niners, mais avec raison. Tu sais, la semaine passée, là, je disais Kaepernick, là. Mais ça vieille Chapman-là, là. Mais ils l'ont benché. On vous l'avait callé qu'elle allait le bencher. La merde était pas dans le vestiaire, mais c'est arrivé. Il y a mieux faire jouer Blaine Gabbert que ce tas de merde-là. Comment tu te sens dans la vie quand tu te fais remplacer par Blaine Gabbert? Blaine Gabbert, là, tu sais. Tu te fais mettre la mascotte de Jacksonville, Jacksonville, là, si tant qu'à ça, parce que t'es rendu là, là. C'est pour vrai, quand t'es rendu que tu prends les restants de Jacksonville de même, là, pis tu mets ça comme starter, là. Si voir que ça fait. Tu Vernon Davis? Hey, Vernon Davis, là, si vous avez, je sais pas si vous avez vu les commentaires qu'il a fait, là. Lui, il est tout aux anges, là. Il les a bâchés. Il est tout aux anges, ce gars-là. Tu passes de 2 quarterbacks de merde, selon moi, là. Tu sais, c'est Blaine Gabbert pis Kaepernick, ça, ça a jamais rien prouvé. Pis tu penses que ça va avec Peyton Manning. Ben ouais. Et c'est, je sais pas, là, mais eux autres, l'attaque vont trouver le temps, là. Avec un coach comme Gary Kubiak, là. Ils ont on s'entend-tu, là. Ils ont les Denver, ils vont faire jouer ça, man. Vernon Davis, man, ça va être la fontaine de jouvence, mon gars, pour lui. Alors, retournez chercher ça dans votre pool. Ça, c'est le genre de gars que peut-être va sortir à la fin de l'année avec 6-7 touchdowns de plus. Mais cette semaine, là, je vous dis, Falcons, là. Allez-y big là-dessus, parce qu'ils vont faire des points. Excuse-moi, les Falcons ou les. Ah, les Falcons, ok, ouais, c'est bien, Falcons. Parce que je compte les Falcons. Mais les Falcons ont fait.
puis 5-6, ils t'avaient. C'est pour ça qu'on disait que semaine 5, 5-6, 5-7, ils nous ont tous fait mal. Le souvent, les 1 point, le spread, les affaires, mais cette semaine, ils vont les éclater. Ça va être vraiment, là, comme qu'on aime dire, là, un défonçage de sphinx. C'est vraiment le cas de le dire. Je vous le dis, là, ça va être n'importe quoi, ce game. Ah, je leur souhaite, parce que là, à un moment donné, les Falcons, par exemple, là, je pense qu'il y a des équipes, là, tu sais, si tu gagnes pas là-dedans, t'es fait parce que les Panthers sont trop forts. Oh, ouais. Comment tu peux chercher ces games-là contre des petites équipes qui valent rien, parce que sinon, t'es fait dans la division, là. Non, non, fait que les Texans Niners, c'est la pire équipe de la NFL, selon moi. Cette année, là, c'est la plus pathétique. Je sais même pas s'ils vont gagner un autre match ici à la fin, honnêtement, là. Fait que allez-y avec ça, Falcons par 7. Je sais que d'habitude on vous disait qu'ils couvrent pas, mais cette semaine ils vont le couvrir, inquiétez-vous pas avec ça. C'est un très bon choix, ça. Mon avant-dernier choix, je l'adore celui-là. Les Dolphins de Miami. Je sais que pendant 2-3 semaines passées, j'ai craché dessus et tout ça, mais là, tabarnouche, on dirait que Ryan Tannehill, il me surprend. Puis ça va affronter les Bills de Buffalo. C'est un match sur Rivalry, puis ils sont négligés par 3 points. En plus, on sait que c'est Tyrone Taylor qui va lancer pour les Bills. Mais Ryan Tannehill, là, honnêtement, je sais pas ce qui est arrivé depuis que le coach est rendu là. Ben. Vraiment, les stats sont impressionnantes. Avant, quand on le regardait. Même en cours, je pense, t'as oublié la Reims contre les Pats, tout, c'est là 2 semaines, là. C'est ouais, pas, mais. Pour le 6 mois, là. Non, non, mais Chris, c'est quand même tenu dedans, là. Il a donné 44 points, ou c'est combien qu'ils ont donné, je sais. Quasiment 40 points, là. Ah, mais, tu sais, on voit qu'une nouvelle chimie, ça marche mieux. Ça connecte mieux qu'avec l'autre, là, tu sais. Que le nom m'échappe, mais ici c'est un rivalry game. Ils ont, les Bills sont à la maison, tu vas me dire, bon, c'est sûr, mais les Dolphins. Quand même, ils sont capables de jouer au football. Tu sais, ils sont négligés par 3 points. Ben, parce que moi, ce que j'aime pas de cette équipe-là, c'est qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Ah, ça, c'est sûr. Une ça, semaine, c'est tu penses qu'ils vont se faire laver, oups, ils tiennent dans le game, ils lavent l'autre équipe, puis après ça, tu dis, ils vont tenir le coup, ils vont couvrir le spread comme contre les Pats. Ils se sont fait déchirer, fait que, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais là-dedans aussi, c'est sûr que l'under pourrait être facilement. L'under. On pourrait le prendre, là, mais. Ouais. Moi, les Dolphins négligés par 3 points, le garde même, là. C'est parce que c'est pas mon upset, là. Je me suis gardé une petite surprise pour mon upset, mais garde, oublie ça. Moi, je vais avec les Dolphins 7 négligés par 3 points. C'est le choix du Hunter. Ben, moi, mon upset de la semaine, je vais enchaîner avec ça, vu que t'as comme ouvert la porte pour ça. Mon upset de la semaine, puis c'est drôle à dire, un upset avec l'équipe est 7-0, là, mais mon upset, c'est les Panthers à la maison. Les Panthers, 11 victoires consécutives en saison régulière, sont négligés par 3 points. Moi, je pense que à cause de Aaron Rodgers va être vraiment, mais vraiment frustré. Là je pense que c'est... Ben, mais il ne pourra pas faire grand-chose parce que c'est une des meilleures défensives. C'est la meilleure défense dans la nationale, selon moi, présentement. Tout à fait. Fait que, il va encore, là. Ben, il n'y aura pas de partie facile. Là. Il n'a même pas fait 100 verres la semaine passée. Là, il s'est empoigné une défense aussi bonne. Il m'attend pas à rien de moins là, cette semaine. Là, ils font pas grand point les Packers. Ça va être plus facile de jouer dans un dom. Ça va être under celle-là, par exemple. Moi je vous dirais allez-y avec ça. Là. Ça a l'air spécial à dire une game avec Aaron Rodgers, mais je pense pas que ça va être un shootout ce game-là. Je pense qu'ils ont réussi à le contenir parce qu'ils vont regarder les bandes vidéo puis ils vont savoir quoi faire qu'on ait Aaron Rodgers, surtout qu'ils ont la même défensive qui ressemble. Là. Fait que selon moi, là, c'est un des plus beaux upsets cette année. Là. Une équipe 7-0 négligée là, à la maison. Moi, je parierais pas contre Aaron Rodgers. C'est ton offset. C'est pour ça que des fois, on tente le coup. Ben, justement, moi, mon offset, avant de dire mon dernier choix, ben, c'est les Raiders d'Oakland qui s'en vont battre les Steelers de Pittsburgh à Pittsburgh. On en a parlé. Les Steelers, là, honnêtement, le garde, là, Le'Veon Bell, là, c'était le général à l'attaque. C'était même plus Big Ben, le général à l'attaque là-dedans. C'était vraiment Le'Veon Bell qui ouvrait le jeu pour tout le monde. Honnêtement, c'est Derek Carr, là, vous voulez dire, c'est stats à Derek Carr, ça vous tente dessus. Juste un peu, dis-moi, là. Non, que c'est des stats hey, 15 touchdowns pour 3 interceptions. Ce petit jeune-là, il est-tu en feu? Ah, il est en feu. Amari Cooper, c'est une machine en ce moment, là. Je vous le dis, là, c'est une machine. Ça, on disait ça la semaine passée, là. T'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait des Bengals, là. Ils ont pas fait de grands points contre la défense des Steelers, là. Ouais, mais crème, ils ont gagné quand même. Là, ici, j'ai pris un Egypte. Mais j'ai pris un Egypte. On pourrait les prendre par le 5. Ben, de toute façon, je te laisse en parler parce que tout après, ça va être sûrement un de tes choix. Mais moi, j'ai pris un Moneyline, ça. Je pense que Oakland, c'est vraiment l'offset. En plus de ça, là, cette semaine, là. Ben, depuis le début de l'année, désolé, mais offset, là, je pense que j'en ai manqué un ou deux, Eric, là. Je suis en feu là-dedans. C'est vrai, mais celle-là, t'es dans le champ gauche complètement, comme Rocky. Raiders, Moneyline, upset of the week. Ouais. Boom! Si vous pensez que Big Ben va perdre 2 games consécutives, oubliez ça, là. Je vous dis tout ça. Il va se faire ramasser. Mais de quoi de spécial? Ramasser. Si vous pensez qu'ils vont perdre 2 games de ça, surtout toi, là. Je suis déçu parce que d'habitude, tu connais ton football, mais. Pensez que les Raiders vont gagner ça contre les Steelers à la maison, là. Sans farce, là. Je suis prêt à mettre un autre pari sur là-dessus. Upset of the week. C'est ça, il en parle, mais il est pas prêt à mettre les sous. Je vous dis, c'est un pick. Fait que tu vas finir par ton dernier pick. En fait, là, avec ça, je viens de t'ouvrir la porte. Ben, c'est ça, je suis en train de vous dire, là. C'est ça, là. Steelers par 5 points à la maison contre les Raiders. Je sais qu'on parlait des Raiders, qui jouent quand même bien ces temps-ci. Ça, je dis rien contre ça.
Ils vont se tenir dans le match, ça sera pas une DG. Mais sans farce, là. C'est sûr qu'ils vont gagner ça par 6 points. Moi, je pense à un touché, honnêtement, là. Ils vont se fâcher, puis Big Ben, là. On a vu la semaine passée que c'est vrai. Je te l'accorde, là. T'avais calé qu'il était rouillé, puis il avait l'air rouillé. Tu le voyais, c'est mal, pis ça rendait, ça se rendait. Mais selon moi, on va se le dire, là. La défense des Bengals est de loin nettement supérieure à celle des Raiders, là. Fait que c'est sûr que... Ouais, mais ils jouent avec le cœur, hey, c'est l'émotion. Les Raiders sont plus comme les Bengals. Il y a des équipes en mission, un peu comme les Royals de Kansas City. Ils étaient en mission, ils avaient perdu la série mondiale l'année passée. Moi, des fois, faut tirer avec ce genre de hedge-là aussi. Les stats, c'est pas important tant que ça, je tente des fois dans le sport. Là, c'est vraiment des équipes qui ont le momentum, Eric. C'est ça que je te dis. C'est des équipes qui apprennent à gagner puis aiment ça gagner. Fait que, tu sais, les Steelers, ça va nulle part. Je suis désolé, ça va nulle part. OK? Ouais. C'est mon choix. Quand t'as un gars comme Jonathan Stewart qui va être ton running back, D'Angelo Williams, désolé, qui va être ton running back, le gars. Il a pas été souvent avec ça, on va regarder ses stats. Ouais, mais c'est pas les Le'Veon Bell, c'est pas ton joueur élite, c'est ton joueur étoile. Il a mis l'équipe sur ses épaules pendant qu'il était pas là, puis regarde, c'est le même, ça arrive. Là. Ah, c'est sûr. En tout cas, moi, je pense que ça va être très, très serré, puis je vois Raiders sortir de là. Ça va être vraiment la plus grosse victoire des Raiders cette année, je pense, tant qu'à moi cette année. Là. À part peut-être qu'ils ont gagné leur quasi Super Bowl, là, mais il y a 2-3 semaines, mais non, honnêtement, c'est un beau upset. Mais moi, je pense que, regarde, c'est normal que tu backes ton team là-dessus. Non, même pas, c'est pas une question de backer mon team. Là-dessus, je vais avec la logique parce que. Moi, je pense que c'est la fin du règne de Mike Tomlin, même avec Pittsburgh cette année. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton joueur vedette est blessé, ton running back vedette. Ah, mais il est pas capable d'aller chercher meilleurs éléments. Ces sont là. Ouf. Non. Ben, justement, en parlant d'équipe préférée, ben, moi, je le dis que c'est mon équipe préférée. Ben, ça en est quand même deux de mes bonnes. Mon dernier choix, c'est les Giants de New York. C'est favori par 3 points contre les Bucks. Honnêtement, les Giants, ça a été un vrai shootout la semaine passée. Aucune défensive, juste des ballons lancés. On a vu. C'était le match le plus explosif de la semaine. C'était complètement insane. Je pense qu'à se mettre Coffin sur le terrain comme cornerback, ça aurait fait la même affaire. C'était pathétique, là. C'est des deux côtés, mais sauf que ça a donné du jeu ouvert. Le retour de Jason Pierre-Paul, même, je vous le dis, lui est enragé pour vrai. Il y a de quoi prouver. Ces joueurs-là, quand c'est médiatisé. Avec ses trois doigts qui restent. Ouais, mais il est capable de faire des tacos. J'ai déjà vu faire des tacos à l'universitaire avec des catins, là. Fait qu'il n'y a plus des plats. Fait que ce gars-là, c'est une machine, c'est une beast. Oubliez ça. Je vous dis ça. Si tu parlais de rouille, là, ben lui, il va être rouillé plus. Ouais, mais c'est pas une position comme QB ou wide receiver. Non, Eric, mais quand tu ramasses le joueur, tu sais, c'est sûr que oui, t'as soin rapide. Les bloqueurs sont salés dans Christy dans NFL, là. Tout à fait. Puis les Bucks, vous allez me dire, ils sont surprenants, Yannick, tu sais. Attention à ça, tu sais, c'est sûr et certain. Mais je pense que les Giants. Ça aussi, c'est un autre détail. Ben ouais, mais là, quand même, là, je vais pour les sous là-dessus. À la maison, moi, les Giants, je les haïs pas à la maison. Les Giants là-dessus, là, je vous dis favori par 3 points. Eli, là, quand même, là, il est ça à coche. Là, il est capable de rivaliser avec pas mal n'importe quelle équipe. Là, il donne du. C'est du punch. Moi là, le match contre les Saints, j'ai vu ça comme un match de boxe, man. Ça se donnait des jabs, chacun de leurs barres, jusqu'à temps que ça tombe. Là, tu sais, regarde. Puis ça a l'air que les Saints sont partis à la fin. Ouais, mais à la fin, ça a été un excellent match, là. Fait que moi, honnêtement, ici, les Giants favoris par 3 points, je crois que c'est vraiment un excellent choix. Allez-y avec ça. Donc, ça complète notre semaine d'activité avec déjà 22 minutes 45 qu'on vous envoie des choix gagnants. J'espère que vous êtes extrêmement contents qu'on fasse ça toutes les semaines pour vous autres. Hey, on aime bien ça. On a vraiment, vraiment de plus en plus de gens qui nous suivent. Puis là, je vous le dis, là, Eric va vous monter un beau sur notre page. Vous allez nous dire à la fin de la semaine 9, là, s'il vous plaît, là, pour être sûr qu'on va regarder les teams qui restent invaincus. Puis on va faire un petit concours, celui qui va caler quand est-ce que l'équipe, la date exacte contre qui exactement. Puis on a un petit prix pour vous autres. Vous allez voir, ça va être bien intéressant, un petit concours. Fait que merci d'avoir écouté l'émission, puis on se revoit la semaine prochaine, puis essayez de faire des sous cette semaine. On a des bons choix. Hey, bonne semaine. Merci, bon football.